Concernant l'exercice numéro 9. Donc, on a un tableau donc, qui représente quoi L'évolution des indicateurs économiques relatifs à une entreprise. On euh, a l'exemple fictif. Beh, donc, je fais le tableau avec les indicateurs la valeur de la production, la valeur des consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, la valeur du capital fixe et le coefficient du capital pour les deux années 2006 et 2007. Les questions là, on va compléter le tableau mon but comparer l'efficacité du capital dans la production en 2006 et 2007. Ben, je vais pas le faire. petit à je vais vous hein, compléter le tableau. Ben, donc, je vais numéro 9. donc, je vais pour l'année 2006. je ne mets les inconnues que donc, en 2006, l'inconnue est la valeur de production. Hein, la valeur de capital fixe. Et la valeur de capital fixe. avons donc les deux inconnus pour l'année 2006. Ben, on va commencer par euh, le calcul de la valeur de la production. Donc, ben, on doit se référer sur la formule. Hein, la valeur ajoutée. Donc, nous sachons que la valeur ajoutée, la formule valeur ajoutée, elle est égale à. Valeur de production moins valeur de consommation intermédiaire. C'est ce à je vais cours. formule la valeur ajoutée égale à valeur de production moins valeur de consommation intermédiaire. Mais la formule est la valeur de production. Donc, la valeur de production égale hein, donc la valeur ajoutée plus la valeur de consommation intermédiaire. Donc, nous avons les deux variables la valeur ajoutée de l'année 2006 et la valeur de consommation intermédiaire de Voilà. Donc, l'application numérique la valeur ajoutée est égale à 120 000. Hein, plus la valeur de consommation intermédiaire il est égale à 120 000. Donc, le résultat est, la valeur de production de l'année 2006 est égale à 240 000. 1000 unités monétaires. C'est l'inconnu qu'on Voilà. Donc, on va faire la valeur de capital fixe. Qu'est-ce qu'on a la valeur de capital fixe Donc, on doit se référer sur la formule de hein, coefficient de capital. On a la coefficient de capital. On a la formule de capital. On de la valeur de capital fixe. On va faire la formule de coefficient de capital. Donc, sachant que hein, le coefficient de capital égal, la formule est c'est la valeur de capital fixe hein, sur la valeur ajoutée. cest la formule du de capital, de coefficient du de capital. Le résultat de est, est égal à 1. Ben, Il y a coefficient du capital égal à 1? Maintenant, la valeur ajoutée est égale à la valeur du coefficient.

la valeur de consommation intermédiaire. Et ce qu'on hein? va faire, c'est qu'on va sortir le coefficient du capital. Donc, et le coefficient du capital. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la valeur du coefficient du capital, et on va utiliser la formule pour la valeur ajoutée. Donc, puisque hein, la valeur ajoutée est égale à la valeur de production moins la valeur de consommation intermédiaire. Donc, ce dernier, donc, consommation intermédiaire, valeur d'a, égale, hein, égale à la valeur de production, hein, moins la valeur ajoutée. Donc, il la valeur de consommation intermédiaire, égale la valeur de production, moins la valeur ajoutée. Donc, l'application numérique. L'application numérique. La valeur de production. La valeur de production. L'année 2007, c'est égal à 400 000 de dinars. La valeur de production égale à 400 000 de dinars. Moins la valeur ajoutée, il y a 180 000 de dinars. Donc, l'application numérique, 400 000 de dinars moins 100 80 000 de dinars. Donc, la, la valeur de consommation intermédiaire égale à 220 000 unités monétaires. Et l'inconnu a l'année 2007. Donc, qu'est-ce qui vous a maintenant? Le coefficient de capital. Donc, le coefficient de capital en 2007. Donc, nous avons dit donc pour le formulaire général, le coefficient du capital est le rapport entre la valeur du capital fixe et la valeur ajoutée. Nous avons la valeur du capital fixe en 2007. Nous avons la valeur ajoutée. Donc, directement, nous l'application numérique. La valeur du capital fixe 540 000. Donc, égal à 540 000 sur la valeur ajoutée de 180 000. Donc, égale 0, pardon, égale 3. Donc, le coefficient du capital égale 3 unités monétaires. Félicitations. Nous avons une réponse à la, à la première partie de cette question. Petit a. Petit b, nous avons, avons, avons comparé l'efficacité du capital. On va comparer l'efficacité du capital dans la production en 2006 et 2007. Ici, maintenant, que l'efficacité du capital, ben je pense Je pense la productivité, Voilà, Donc, dans cas je L'efficacité du capital, ici, je la productivité du capital en 2006 et en 2007. On va faire une comparaison. On va voir combien est le productivité le plus élevé. Donc, nous et nous, l'efficacité du capital, eh? Donc, est mesurée par, est mesurée par, eh? la productivité.

Et la valeur du capital fixe. Donc là, une de productivité, une le capital, on va en valeur. Regardez de deux années. Ben, n'ai pas de baisse. En 2006, C'est application numérique. Donc en 2006, on a la valeur ajoutée. Donc vous la valeur ajoutée égale à 120 000, égale à 120 000 unités monétaires. Ou il gagne un la valeur du capital fixe. Ah, hey. là, il y a 120 000 unités monétaires sur 120 000 unités monétaires. Donc, le rapport est égal à 1. La productivité du capital euh, en, en, termes, en termes monétaires est égale à 1. Ben, bah, en 2007. Kif kiffnam rapport ma bien. la valeur ajoutée et la valeur du coefficient euh, de capital pardon la valeur de capital fixe. La valeur ajoutée en 2007. La valeur ajoutée égale à 180 000. Donc 180 000. Divisé par hein, la valeur du capital fixe. 540 000. Donc résultat égal à 0,33. باهي دونك هذه بالنسبه للكالكول دو لا برودكتيفيتي نرجعوا للمطلوب دونك هنا قالنا نعرف قالنا كومباري ليفيكاسيتي دو كابيتال واضح دون لا برودكسيون وقلنا انه ليفيكاسيتي دو دو كابيتال اي ميزور بار كوا با لا برودكتيفيتي دونك هذاك علاش حسبنا هنا البرودكتيفيتي ونعملوا كومباريزون ما بيناتهم ونشوف انه اه الكابيتال انه البرودكتيفيتي نتاعو لو بلو في لاني 2006 والا لاني 2007 Voilà, donc, la productivité moyenne de capital en 2006, qui est égale à 1, et hein, supérieure à la productivité moyenne de capital en 2007, est égale 0,33. Termine. Donc, l'interprétation ou la constatation est que l'efficacité du capital dans la production fait l'année 2006 est plus élevée. Donc, on dit que l'efficacité hein, du capital hein, dans la production l'efficacité du, hein, du capital dans la production est plus élevé Benham, en hein, l'année 2006 en 2006 donc donc réponse à la deuxième partie de cette question merci.